Alors, voyons voir ce qu'on va nous dire. Je vous ai donc pris le jeu de... Pardon, le tarot des anges. Voilà. Les cartes sont là. Et j'ai pris aussi l'oracle de Gaïa. L'oracle de Gaïa, je tirerai qu'une carte. On verra bien la carte qu'elle voudra bien nous donner. Quel est son message. Donc, je vais les battre devant vous. Je vais les couper. Et je vais donc vous montrer le tirage. Nous avons le chariot. Première. Nous avons le chevalier d'air. Pour la deuxième. Nous avons... Page d'air pour la troisième et nous avons le 10 d'air pour la quatrième. Ça c'est pour le tarot des anges. Je vais maintenant prendre, je vais les éloigner un peu, voilà comme ça, pour aller voir. Il y a un petit peu de vent donc facile. Voilà. Je l'écoute. Et quel est le message de Gaïa? La fin de l'hiver. Très belle carte. Très belle carte. Donc, nous allons commencer avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Je vais prendre mon petit livret, bien entendu, comme d'habitude. Donc, nous commençons par le chariot. Bah tiens, le chariot. Donc, il nous dit, félicitations pour cette magnifique carte que vous avez tirée. Vous avez rétabli l'équilibre et trouvé la solution à une situation jusque-là problématique. Donc le chariot est en général une très bonne carte. Il vous emmène vers l'avant. C'est un chariot. Il vous emmène vers l'avant. Pas de souci. Son message est une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Donc voilà. Le message est passé. Très bonne carte. Le chevalier d'air. Le chevalier d'air. Qu'est-ce qu'il nous dit? Intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Son message est « Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les opinions qui s'offrent à vous. Solutions créatives. » Voilà. Des événements se produisent à vive allure. Ah, bah, il ne pouvait pas mieux tomber, hein. Donc, nous avons le chevalier d'air. Qu'est-ce que nous dit le petit livret pour le chevalier d'air? Ah. Les événements ponctuant votre existence filent à vive allure. Vous serez désormais en mesure de mettre en œuvre vos projets. Attendez-vous donc à un surcroît d'activité. L'intellect et la créativité occupent le haut du pavé. Tâchez donc d'adopter des points de vue non traditionnels. Prenez le temps de bien pondérer les options qui s'offrent à vous. Donc, tout est bon. Vous avez le chevalier d'air qui vous dit... Vous avez le chariot qui vous dit foncez. Et le chariot, le chevalier d'air qui vous dit tout est bon, allez-y.
Donc ces deux cartes sont vraiment très très positives. Alors, le page d'air, logique, honnête, impulsif. Il nous donne comme message, annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont à apporter à vos projets, une vérité est énoncée sans que l'on ait fait preuve de tact. Donc, pour ce que j'en ressens actuellement, c'est que effectivement, c'est des périodes déstabilisantes. On est dans une période déstabilisante, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous vivons tous des périodes déstabilisantes. Les retards vont s'accumuler, forcément. Hein. Il y a des choses qui vont se mettre en place et d'autres qui prendront plus de temps à se mettre en place. Des changements sont à apporter à vos projets. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, si vous aviez un projet et qu'il ne fonctionne pas pour une raison X ou Y, il est toujours temps de le faire changer parce que ça veut juste dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc, changez vos projets. Une vérité est énoncée sans que l'on ait fait preuve de tact. Donc, on va peut-être vous annoncer des choses vous concernant ou concernant votre entourage ou votre vie ou peu importe, mais qui brute. Alors, ça peut être une vérité qui est annoncée très brutalement, sans manque de tact, ou ça peut être une vérité auquel vous vous attendiez, mais moins brusque, hein. Donc, je vais voir avec le petit livret ce qu'il en dit. Alors, l'air. Le page d'air. Il nous dit quoi, le page d'air? Le page d'air, il nous dit des informations nouvelles qu'on vous présentera pourraient peut-être continuer un défilé ou engendrer des retards. Des informations pourraient vous être communiquées par une personne dépourvue de tact, ce que je vous disais, qui parle sans réfléchir. N'y voyez rien de personnel, l'essentiel ici, c'est le message. Ne tirez donc pas sur le messager. Donc on peut venir vous apporter des informations auxquelles vous ne vous attendiez pas, auxquelles vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas prêt à entendre, néanmoins, enfin, ou d'une façon assez désagréable, néanmoins, c'est, comme il dit, c'est le message qui compte et non pas le messager. Et enfin, le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que des choses s'améliorent, triomphe d'une dépendance. Voilà, donc, bonne carte en soi. On va finir par triompher, hein, quel que soit le temps que ça va mettre, on va y arriver. Mais voilà, il faut il faut peut-être du temps ou pas, ça peut être très rapide au final, peu importe. Mais bon, toujours est-il que ça s'avère positif. Donc le 10 d'air, il nous dit quoi? Cette situation a pris fin, la fin d'un chapitre est l'occasion de connaître un nouveau départ. Il se peut que vous ressentiez un mélange de tristesse et de soulagement à propos de ce qui s'est passé. Le moment est venu de tourner la page et d'aller de l'avant. Attendez-vous à ce que les circonstances s'améliorent. L'heure est peut-être venue de réorienter votre carrière. Vous êtes peut-être sur le point de compléter un projet à long terme. Peut-être avez-vous décidé de trouver un autre emploi. N'imposez pas de limites aux merveilleuses choses pouvant vous être offertes par l'univers, élargissez vos perspectives afin de percevoir les occasions fantastiques qui s'offrent à vous. Voilà, comme je vous disais, très joli tirage, très positif. Donc vous avez des événements qui vont se... vous avez donc des événements très positifs qui viennent à l'horizon. On vous incite au vu des temps actuels, à changer de métier. Si votre métier ne vous convient pas, vous allez trouver ce qui vous convient. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, à terme, c'est du positif. Donc, pas de panique, tout va bien. Alors, le message de Gaïa, c'est la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive, qui vient très bien, en fait, appuyer le tirage des anges, hein,
C'est une carte qui est en elle très positive et très bonne. D'ailleurs, je vais vous lire ce qui est écrit sur le petit livret. Voilà. Pour voir si je me suis trompée ou pas. Ou s'il y a des choses à rajouter. Alors, cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté par cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignées de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous, de belles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. Voilà, comme je vous disais, elle vient très bien compléter le message des anges. C'est vraiment une carte très positive, c'est-à-dire qu'elle ponctue, elle conclut en fait très bien le tirage des anges. Tout est positif actuellement. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est que quelque chose qui ne va pas durer ou juste un tremplin pour des choses meilleures. C'est ce que je vous dis. N'ayez pas peur d'aller de l'avant, n'ayez pas peur d'avancer. Faites confiance en vous, faites confiance en ce que vous voulez faire, faites confiance en ce que vous avez, faites confiance en ce que vous voulez, ce que vous souhaitez au plus profond du cœur, en ce qui résonne en vous, et les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Si jamais vous dérivez un peu, vous avez notre page d'air qui nous dira exactement que bah, vous n'êtes pas sur le bon chemin, même si il prend pas de gants, mais bon, voilà. Autrement, tout est positif, tout est bon. Foncez, foncez, foncez. Voilà, c'était le petit tirage aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien, que ce tirage vous aura un peu aidé et un peu, comment dirais-je, donner des envies d'aller de l'avant. Ne restez pas planté à vous dire, ouais, mais est-ce que comment ça va se passer? Est-ce que ça va marcher? Tout va marcher. Tout va marcher. Ça va être différent, ça va être autrement, mais ça va marcher. Voilà, c'est la fin de quelque chose pour le début de quelque chose de meilleur. C'est toujours déstabilisant quand on change, c'est toujours déstabilisant, mais le message est clair. Déstabilisant, certes, mais bon, positif et rayonnant à la fin. C'est sur ces bonnes paroles que je vous quitte et que je vous dis à une prochaine vidéo pour de nouvelles guidances. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Profitez du cadeau. Bye.